Salut, c'est Raymond Domenech. Place au jeu. Bonjour, c'est Stéphane Marie de Silence, ça pousse. Ça va Julie, ma petite Jacinthe? Oui. Ça va Jean-Marc, mon grand ficus? Ah oui, c'est une belle définition ça. Alors moi, je voulais dire à Pierre Bloch de Fribert que je suis très content d'être sur sa chaîne parce que pour l'instant, France 5, c'est encore un bourgeon. Voilà, c'est encore une petite chaîne, mais on espère qu'elle deviendra bientôt un grand chaîne. Tout beau, tout feuillu. Allez, on pousse. Et bientôt, bah, c'est nous qui ferons de l'ombre aux autres chaînes. Au revoir, mes crocus. Bonjour, monsieur Jenny, ouais. C'est Franck Ribéry. Bon, franchement, j'ai dur qu'Alessandra Sublet, elle est partie de Stavou. Parce qu'elle, elle parlait comme moi et je comprenais tout ce qu'elle disait. Oh, c'est salaud, ça. C'est salaud. Non. Bah, l'autre, là, Anne-Sophie Lapisque, on comprend rien quand elle parle. Moi, je dis franchement, Pierre, je la préférais, Alessandra Sublet, parce que c'était ma sœur jumeau de Bécherel. Bonjour, Julie, bonjour, Jean-Marc, bonjour, patron. C'est Michel Simès, le magazine de la santé. Je voulais dire qu'être sur France 5, c'est une vraie chance, car on est très libre. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la différence entre être sur France 5 et faire l'amour avec un préservatif? Non. Il n'y en a pas. Dans les deux cas, on peut s'adonner aux pratiques les plus douteuses, car on est très peu exposé. Salut, c'est Laurent Deutsch. Ah. Bon, Pierre, j'adore être sur France 5 avec métronome, mais j'aimerais bien faire autre chose que parler de métro. Par exemple, ce soir, j'aurais bien aimé présenter l'émission sur le désert de l'Atacama. L'Atacama, si j'arrive à le dire. Hein. Ouais, c'est pas simple. Pour parler du Chili, de l'Argentine. Argentine, ligne 1. La station a été ouverte en 1900 et s'appelait à l'origine Obligado, avant de changer de nom en 1948. Bon, en fait, ça va être compliqué de parler d'autre chose. Ouais, je pense aussi. Bonjour Julie, bonjour Jean-Marc, bonjour Pierre, c'est Nelson mon fort. Ah, vous êtes pas sur France, hein? Alors oui, en tant que collègue du service public, on adore votre chaîne. Et nous aimons particulièrement l'émission « J'irai dormir chez vous » dans laquelle Antoine de Maximi s'invite chez des gens. N'est-ce pas mon cher Philippe Candeloro? Ah, tu m'étonnes, hein. Même que si c'est moi qui présentais, ça s'appellerait « J'irai dormir chez vous » et je déglinguerai votre femme. Ah hein. Oh non, mais non. Ouais, ouais, d'accord mon cher Philippe, mais il y a d'autres émissions que nous apprécions, comme par exemple « C'est à vous ». Ah c'est ça, on apprécie, hein. Surtout Anne-Sophie Lapix, hein. Je lui casse les pattes arrière, moi. C'est élégant. C'est oh là chic, là là là. C'est chic, c'est pas France 5 du tout, ça. Hein. Je vais garder Antoine de Maximilien. Oui, je pense aussi. Merci, Marc-Antoine Lebray.